Et bonjour à tous, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui les gars, on n'est pas sur GTA V, mais sur Watch Dogs. Et oui, Watch Dogs, j'ai peut-être mal dit, my bad, abuse. D'ailleurs, nouvelle lunette, t'as vu ou pas? Il y en a deux, il y a celle-ci, sympathique, ça change un peu d'habitude. Ou celle-ci, un peu plus, je sais pas, mais sympathique, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est pas ça le sujet de la vidéo, c'est plus tard, c'est après, avec tout le respect. On est parti pour de la nostalgie à foison. J'ai pas de casque, atroce, effrayant dès le début. Watch Dogs 1. Incroyable, il est sorti il y a plus de 10 ans, du coup, ouais, 2024, donc il y a plus de 10 ans. Je viens de le lancer, alors j'avais lancé, je crois, il y a un mois ou deux mois, pour relancer un peu, pour retester, je sais pas, je voulais refaire la campagne. Je suis pas allé très très loin, et je me suis dit, un jour, je ferai une vidéo dessus, je sais pas pourquoi j'en fais une aujourd'hui et pourquoi pas avant. Mais voilà, donc c'est un peu, on va dire, un open world qui a beaucoup été apprécié. Franchement, je crois que c'est celui de la licence qui a été le plus apprécié. Ah ouais, Watch Dogs 2, c'était pas mal, et Watch Dogs Légion, qui était un peu moins bien, Légion, à pas se mentir. Nouvelle partie, continue. Non, on va continuer. On va se balader un peu. Je sais pas si on va faire une mission. Moi, ce que j'aime bien un peu sur les redécouvertes d'Open World, c'est vraiment juste. Je sais pas, on fait des trucs, on découvre la map. Enfin, on redécouvre la map parce que je me rappelle plus. Alors, pour mettre un peu dans le contexte, si je me souviens bien, on est dans Chicago, ça c'est clair. Watch Dogs 2, c'était San Francisco. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur Watch Dogs 2, ouais, hein, vite fait. Du coup, ouais, c'était sur Chicago et c'est l'histoire d'Eden Pierce. Voilà, voilà. Ça, je vous remets en mémoire pour ceux qui, voilà, pour ceux qui ont déjà joué et pour ceux qui n'ont pas joué, vous pouvez un truc. D'elle comme ça. Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre quand ouais, j'allais voir. Voilà, bah je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait. Ah là là, c'est triste. C'est toujours le même cauchemar. Et ouais. Oh, les graphismes et tout, ça change. Oh, je dis pas que ça a mal vieilli, mais waouh. C'est quand même... je trouve que ça se voit de ouf. Attends, je vais juste voir un truc. Ouais, je peux pas augmenter un peu les graphismes. Je suis déjà en 1080p ou 4K, mais bon, c'est un truc un peu ancien. Mais quand même, ce jeu c'est stylé. Franchement, j'adore. Alors, pour remettre dans le contexte, oui, pour expliquer pourquoi il parle de ça, ça raconte l'histoire du coup d'Eden Pierce. Du coup, le perso principal là, qui est d'ailleurs un des persos, je pense, avec Michael, Trevor, je suis désolé, et Franklin, qui est emblématique des open world, c'est un mec qui a vécu un accident de voiture à cause de motards qui ont voulu le tuer, je crois, et il a perdu sa nièce, voilà, il a perdu sa nièce, et depuis, il est dans une quête de vengeance, voilà, bref, je vous laisse faire la campagne qui est juste magnifique, je pense pas qu'on la fera, parce qu'elle est longue, tu vois. Ah merde, mais c'est une mission déjà, là. Bon, c'est pas grave, on va faire la mission, on verra bien. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Ah oui, c'est vraiment le début du jeu, ouais. Pas m'échapper. Ah, c'est stylé. Bonjour. Pas de quoi là. Viens de déclarer faillite. Ah merde. Fréquence. Hein? Fréquence des prostituées? Hein? Hein? C'est-à-dire 23 ans? Ah oui, dès le début. Ah oui, 23 ans, lui, ça charbonne. Hein. Ok. Oh, c'est stylé. Mais c'est très. Attends, c'est pixelisé à la mort. Ok. Ouais, quand j'avais relancé un peu, je m'étais dit ça. Utiliser le profiler sur les passants à proximité. Ouais, bon, là, en fait, là, il nous explique un peu le jeu. C'est normal. Appuyez sur carré. Ah, c'est ça le profiler, ok. C'est un peu différent de Watch Dogs 2. Watch Dogs 2, par contre, en termes de graphisme, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus beau. Et oui, Watch Dogs Légion, du coup, est un peu plus réaliste. En plus, il a la version PS5. Mais celui-là était sorti sur Xbox 360 et sur PS3, du coup, à l'époque. Donc, ça se voit. Ça se voit que ça a un peu vieilli. Parce que c'est la même version que la PS3, du coup. Ça, il n'y a pas eu de nouvelle patte. Alors que je pense que si tu joues sur PC, c'est beaucoup plus beau. Voilà, qu'on soit clair. Je peux passer au-dessus. Sauter, c'est. Ah, je crois que c'était R2, sauter. Ok. C'est pas les mêmes touches, je sais pas. Mais profiler, je l'ai fait, non? Attends, qu'est-ce que je dois faire? Viens, on fait la mission vite fait si tu veux là. Pour, enfin, c'est moi qui ai envie là. Je vais faire quoi là en fait? Non, atroce, effrayant. Toujours de quelque chose. Mais elle est mignonne. Non. Ouais, attends, non. Lui il est pas mal. Ok, ça m'intéresse pas. Oh, c'est vraiment la conversation de meuf. Faire exploser, non, ça c'est plus tard. Ah non, mais je dois aller en haut, attends, je comprends pas. Mais profiler, je veux bien. Ah, pour détecter les crimes potentiels, d'accord. Crimes potentiels. Vas-y. Mec, il se passe quoi? Ah oui, on pouvait faire ça avec les messages, bah oui, évidemment. Elle a pourri ma vie, elle va payer, putain. T'énerve pas, réfléchis. Ah, il va faire un crime, il va tuer son ex. Il va tuer son ex, je vous le dis. Mon cul, ouais, j'y vais tout de suite. Ce mec a l'air violent. Il faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. En traitement contre les verrues génitales. Ah. Un mouchard sur son appel, et je le tiens. Un mouchard? Ok. Inspecter la zone du crime potentiel. Ok, bah j'y vais, bah tu sais quoi, go. Comme ça, on va un peu voir la map. Je vais prendre n'importe quelle voiture. Oh, c'est celle-ci. Ah, mais je crois que c'était une bonne, elle. Ouais, elle était bien. Merde. Oui, du coup, on est sur Chicago. Ouais, j'ai déjà dit. Alors, fais voir un peu la carte. Elle était quand même plutôt grande. Hein. Ouais, elle est quand même plutôt grande. Mais c'est vrai qu'on. Je me rappelle. Alors, l'anecdote de con. Oh, oh, le bruit.
À l'époque, j'avais le droit de jouer à Watch Dogs, mais pas GTA 5, parce que Watch Dogs c'était un peu moins violent. Et pourtant, je me rappelle quand même qu'il y a une mission dans Watch Dogs où t'es avec une prostituée parce qu'il y a du trafic d'êtres humains. Et c'est assez. Enfin, c'est pas une prostituée, voilà. Du coup, c'est vraiment une meuf qui est. Hein? Faut que je fasse attention, ne pas me faire repérer. Ouais. Et laisser le profiler faire son travail. Ok, mais c'est qui le profiler? C'est le mec qu'on profile, c'est la enfilature en gros. Je suis un con moi. $735, détection des crimes. Carré, ok, ouais, j'ai capté un peu le principe. Ok, il y avait pas ça sur le 2 par contre, il y avait pas ça sur le 2. Mais du coup, ouais, il y a une mission qui est quand même très. Je rappelle, moi à l'époque, elle m'a marqué parce que j'étais jeune du coup. Elle m'avait quand même pas mal marqué. Courir, vous rend facilement repérable. C'est sûr, je le sens. Victime potentielle. Oh, c'est stylé, j'avais oublié, incroyable, attends. Mais je cours pas, je la suis un peu. Pourquoi 21%? Ah, on peut discuter. Ah. Mais je veux pas en parler avec toi, tu comprends? C'est fini, fais-toi une raison. T'as tout faux, c'est pas terminé. Mais lâche-moi, je vais crier. Tu vas voir. Je vais faire quoi? Oh, j'ai bu, j'ai tué, carrément. Ah bah c'est bon, c'est tout, ok. J'avais un doute s'il fallait que je le tue ou pas le type, j'ai pas compris. Oh, par contre stylé, on sait, on dirait un peu l'arme, un peu secrète et tout. J'aime bien. Nouvelle compétence, ok, il y avait des arbres de compétences, c'est vrai. Oui, c'était un peu ça, ok. Dans le 2 aussi, ouais, je crois qu'il y avait un truc aussi comme ça. Il y avait des progressions, ok, ça j'avais oublié. Ah oui, t'avais des trucs chrome, ok. Oh, c'est stylé quand même. En vrai, de vrai, ils avaient fait un vrai truc. Mais c'est dommage que la map, ils aient pas mis une patte un peu sur PS4 au moins pour le rendre un peu plus jouable. Parce que c'est vrai que. Oh, belle voiture. Belle voiture. Parce que c'est vrai que là, il est très très pixelisé, mais pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu, c'est incroyable. Je vous conseille, il va nostalgique quoi, un peu, tu vois. Et pour ceux qui n'ont jamais joué, voilà. Système CityOS, débloque un point d'accès, ok, bon, un point d'intérêt. Fais voir un peu, jeu urbain, Paris. Ce qu'on va y aller, on va découvrir un peu, je me rappelle plus du tout de la carte. Oh, tu sens que c'est pixelisé à la mort, putain, c'est vrai que. Attends, la map est incroyable, hein, mais. Et très vivante, comparé à. Attends, comment je peux couper l'appel là? Attends, j'arrive au point d'accès, mais je sais plus où je dois aller. Ouais, bah du coup, il y a des voitures à acheter, etc. Oui, d'accord. Mais oui, Nicole et tout ça, et non, Jackson. On l'a d'ailleurs, j'ai acheté quand même sur Légion. Il y avait une mission, je crois, à 5 balles que tu achetais, c'était un truc DLC où tu jouais Jackson et Aiden Pierce, mais 20 ans plus tard. Bref, je sais pas, peut-être pas 20 ans, mais tu vois, après, à Londres, et c'est stylé. Voilà, c'est plutôt stylé, je vous conseille aussi. En fait, à chaque fois, je vous conseille tout, mais vraiment jouer quoi, jouer, c'est magnifique. C'est vrai que ça fait très très arcade, waouh. Et encore, j'ai moins cette sensation d'arcade, mais je pense. Bah attends, ça cligne derrière. Attends. Comment je fais pour courir? Ah, R2 c'est courir. Cash run. Piste à proximité. Comme ça, cash run. C'est quoi cash run? Ça? Hein? Ah, mais non, c'est la police, ça. Ok, non, j'ai rien dit. Non, non, ok, quand c'est comme ça, c'est la police. J'ai pas capté. Alors, R2, c'est pour courir. Ah, ouais, attends, les touches, faut que j'en mette. Hein. Ah, c'est ça, cash run? Oui, il y avait un truc comme ça. Non disponible? Ah. Ah, c'est moins drôle. Ah lui il a de l'argent lui. Ah non, crédit potentiel, vas-y on l'en fait. Il fait chier les vis, ok, il a fait quoi ce mec, d'accord, c'est le principal. Ouais, pendant ça va. Hein. S'il survit, il le fera plus. Ah. D'accord. Bon, se trouve il y aura rien. Hein. Je me rappelle pas de ça, c'est marrant. Hop, nickel, on va y aller. Voiture. Elle est où ma voiture? Elle est là-bas. Lutte pour la garde des enfants. Ah, ça c'est pas drôle, ça c'est pas drôle. Oh, il y a les morceaux, ok. Comment tu choisis tes morceaux de trucs là? Y a pas un téléphone que j'ai? Ah, smartphone. Ah oui, mais c'est pas très. Ok. Mais comment je peux bouger? Je peux pas bouger? Ah, naviguer c'est à droite. Oh, c'est pas pratique, hein. Ah, c'est quand même pas pratique. Tu sens que. Toi sur PS3 ou Xbox 360, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas les touches les plus. Ok. Ok, on arrive sur les lieux du crime. Attention. My bad. Mais après, c'est vraiment au même endroit quoi. Oh, on peut aller au truc de baseball là? Je pense pas. Au truc de baseball, ça non? Brown May Stadium là? Hall of Fame, je sais pas. Ah si, Chicago. Ouais, bah ça, c'est baseball. C'est où je dois aller? C'est là-bas? Ah, j'aime bien un cri potentiel. Ah, c'est lui? Ok. Ok. Expert en coups. Il est quoi? Allergique à la viande? Ah, à la viande carrément. C'est pas un truc précis, c'est vraiment à la viande. C'est quand même effrayant. Mais après, au moins il est végétarien par nature. Moi, tu vois, je suis pas content. T'as merdé, mon pote. Wesh. Attends, c'est qui te raconte ce genre de conneries? C'est faux. Ok.
T'es pas au spectacle, mon pote. Oh putain, merci. Ah, mais en fait, je suis obligé de le tuer. Oh, on peut y aller? Ah non, putain, c'est R2 pour courir. Oh, c'est stylé. On peut y aller et tout, je savais pas qu'on pouvait y rentrer. Hein. Bon, tu me casses les couilles. Bon, tu. Ouais, voilà, trop chiant. Hein, qui m'appelle? Qui appelle? Non. Ah oui, c'est vrai, tu devais arrêter les mecs. Allô? Me trahis. Ouais, lâche ton téléphone là. Promis, je dirai rien, vous avez ma parole. Voilà, je préfère. Ah, attends, mais du coup, on peut aller dans le truc de baseball là? Oh. Alors là. Oh non, on peut pas. Si? Non, on peut pas. Alors peut-être qu'on peut, mais dans une mission. Mais pas, pas là. Mais peut-être que dans une mission, on pourra. Ok, ok. Bon, c'est dommage. C'est dommage qu'on puisse pas. Non disponible. Ah, mais là, je peux pas jouer aux machines là? Non, mais les gars, calmez-vous. Je joue souvent au bingo, âge 20 ans, coiffeur. Bon, pourquoi pas, hein, on s'en... C'est quoi lui? Effrayant. Effrayant, j'ai tué la mauvaise personne. Non. Non. Y'a un mec en rouge là-bas, j'ai tué la mauvaise personne. Ah, c'est une balle perdue. Oh. Et ça tire loin quand même, hein. Merde. Ça tire loin quand même, hein. Criminel neutralisé. Ok. Flag tueur. Ah, ok. Et comment ça marche la police là? Y'a pas de. Ok, non, y'a pas de nitro, t'es de boost à la con. Ah, je peux faire les feux de signalisation et je peux faire ça. Yes, en mode t'as des baises. Voilà. Merde. Effrayant. Oh, c'est dur, hein. C'est dur quand même. Hein. Tu sens que. Ah, la maniabilité, elle est quand même pas simple. Après, ça reste Ubisoft. Le problème d'Ubisoft, c'est vrai que. Les véhicules ont du mal. Les véhicules, ils ont vraiment du mal à faire ça. Je sais pas comment GTA 5 Company, ils ont réussi à faire un. Des mouvements de véhicules très très naturels et pas trop arcade, je sais pas comment dire. Mais c'est vrai qu'Ubisoft avec les véhicules ça a jamais été ça. Hein. Pourtant la patte d'Ubisoft je kiffe. Même si là tu sens que c'est un jeu qui a jamais eu de. C'est dommage d'ailleurs, qui a jamais eu de remasterisé si on veut. Ça serait bien un petit remasteré d'ailleurs. Non. Oh effrayant. Effrayant. Et toi je peux. Mais je peux pas dire au bateau de reculer et tout, c'est de la merde par contre. Par contre, vraiment, je me rappelais pas que c'était autant pixelisé. C'est vraiment. Je. Au moins, t'es sûr que la Play, elle prend pas cher. Hein. La Play 5, au moins, elle prend pas trop de. Oh merde, j'ai 4 étoiles carrément. Ah, mais par contre, ils ont un peu. Genre, je sais pas s'ils ont copié. Parce que comme GTA 5 est sorti un an avant, peut-être qu'ils se sont inspirés sur certaines choses. Et là, on dirait qu'il y a 4 étoiles sur 5. Je doute qu'ils aient pris ça par eux-mêmes. Après, peut-être, hein, en soi. Oh, c'est long, par contre. En fait, c'est un peu long, là. Ah, mais non. Et voilà, je peux faire R2 pour aller plus vite. Oh là là, oh le Golemon. Oh le Golemon. Wesh. Mais. Oh, je peux monter là-dessus? Montez. Hop. Oh, désolé, frérot. Je peux? Ouais. Bah. Bon. Est-ce que j'ai pas d'autres armes? Enfin, j'ai que ça comme arme. Ah non, si, regarde. J'ai un D50 en or. Mais quoi? Oh! Pourquoi? Depuis. Oh, bah nickel. Mais j'ai rien fait, pourquoi il est mort? Pourquoi il fait le mec mort? Je. Mais gros. Mais c'est quoi ça? Wesh, mais son corps il est élastique en plus. En vrai, héros, tous 5 étoiles. Allez, c'est parti. Allez! Par contre, je redécouvre la map. Tu sais, il y a des maps comme ça où en vrai ça te retient pas. Et là, ce. Après, j'étais jeune. J'étais vraiment. Oh oui, c'est vrai. Et le pont, fallait le pirater pour qu'il soit droit, je crois. Je crois, hein, si je me rappelle bien. Si je dis pas de la merde. Mais je crois que oui, il fallait le pirater et tout. Oh, regarde, il y a un stunt ici. Eh, mais. Ouais. Ah, mais il y a un QR code. Je suis un putain de QR code. Ouais, tu vois, déjà, si on doit comparer à Centro, où là, tu sais, la vidéo d'avant, je crois, où c'est un GTA like à la con, où ils ont essayé de faire un GTA 5, c'est un peu réaliste, mais c'est très. Voilà, là, ce jeu-là, le broie littéralement, et je crois qu'il coûte pas cher aujourd'hui. Un peu normal, parce que si ça a gardé la même patte qu'à l'époque, c'est dommage. Mais ça reste un incontournable, tu vois, en vrai. Ça reste. C'est nostalgique. Par contre, on va pas très vite quand même. Hein. On va pas hyper vite. Est-ce que je m'arrête pas là? J'ai 4 étoiles encore? Pour savoir, en même temps j'ai rien foutu. Hop. Comment je vais? Oh, je peux me traiser de loin? Magnifique. Mais sors! Comment je sors de là? Putain. Allez! Mais c'est dur, en fait les mouvements. Les mouvements sont pas simples en fait. Wesh, carrément. Oh non! Oh, la tête! Non!
Mais gros, d'où j'ai un putain de Glock en or, c'est une folie. Je crois que c'est parce que peut-être que j'ai relancé le jeu après et du coup ils m'ont donné une... Je sais pas, c'est Ubisoft, mais merci. Bah, mais calme-toi. Mais vous avez oublié vos tels. T'as oublié ton tel. Madame, mais... Elle est con quoi. Et son tel là. Attends, est-ce qu'on peut changer de vue? On peut pas changer de vue, j'ai pas l'impression. Ah, la map est stylée, tu vois tous les mecs qui parlent et tout. Ubisoft c'était vraiment fait chier, hein. À l'époque c'est quand même sympa. Bah, le 2 est incroyable, Légion, ouais j'ai dit c'est un peu ce qui m'a déçu parce qu'on s'incarne pas dans un personnage. Au moins dans le 1, on est vraiment incarné dans Eden Pierce tout le long. Et dans le 2 dans... Merde j'ai oublié, Marcus. Mais ouais dans Légion c'est tout et rien, c'est dommage, franchement c'est dommage. Bon en tout cas voilà le but c'est pas non plus de faire toute la campagne, de tout faire sinon franchement on prend 6 heures à le faire, c'est incroyable, je ferai une vidéo je pense sur Watch Dogs 2, voilà sur un peu les anciens open world, je kiffe, même des trucs qui sont pas forcément open world de base mais qui se basent sur des mondes ouverts. Atroce. Le micro, putain effrayant avec tout le respect. Bon en tout cas les gars c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, c'est pas la même autre chose, nouvelle lunette, vous dis au revoir, bisous et ciao, portez-vous bien.